Eh bien, je prendrai à la fin de la pub parce que là, il reste une minute, si tu veux. Mademoiselle, fin de l'échauffement. Préparez-vous à jouer, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue sur ce mondial Lacoste, 39e édition des Petits As au Parc des Expositions de Tarbes. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Nous allons passer toute la semaine ensemble pour découvrir les nouvelles pépites du tennis mondial. Sachez par exemple qu'actuellement se dispute l'US Open et que Carlos Alcaraz, la nouvelle merveille du tennis espagnol qui est qualifié pour les quarts de finale, Carlos Alcaraz a joué les Petits As de Tarbes. La Canadienne Leila Fernandez dans le tableau féminin à l'US Open, elle aussi qualifiée pour les quarts de finale, elle aussi est venue ici à Tarbes disputer le Mondial Lacoste. Et puis il y a également la toute jeune Britannique de 18 ans, Emma Raducanu, sortie des qualifications, qui ce soir va tenter de décrocher son billet pour les quarts également de cette dernière levée du Grand Chelem. Elle aussi est venue faire un petit tour du côté de Tarbes il y a de cela quelques années. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce match du tableau féminin qui oppose la Russe Efremova à la Malaisienne Jolin So. Et c'est justement cette dernière, la Malaisienne, qui est au service pour débuter cette rencontre. 15-0. Tête de série numéro 16, la Malaisienne, dans ce tableau. Tirage au sort du tableau qui a été effectué hier soir, dimanche, aux environs de 18h, après que les qualifications aient été terminées, les qualifications françaises et les qualifications internationales. 30-0. La journée avait débuté sur ce court central avec un Français, Mathis Heng, opposé au Tchèque Stefan Klinica. Un match qui a duré plus de 2h30, qui s'est conclu par la victoire du Tchèque 6-4, 1-6, 6-2. De nombreux Français sur les courts aujourd'hui. Ils sont 19 au total aujourd'hui à tenter de se qualifier pour le deuxième tour. Et il y en aura 3 autres sur ce court central aujourd'hui. 35-15. Il a tenu cet échange-là, la Russe, bien campée sur sa ligne de fond, pour pousser à la faute la Malaisienne, 30-1. Tout petit gabarit, cette jeune joueuse, Ksenita Efremova. Et voilà donc la première balle de break de cette rencontre. Ah, ici sur ce mondial des petits as, il n'y a pas de lettre. Vous l'avez vu. Donc là, en l'occurrence, sa balle était faute. Mais. Si jamais il y a lettre et que la balle est bonne dans le carré de service, on doit jouer l'échange derrière. Ça sort. Et voilà donc le premier jeu réalisé par Efremova dans cette partie. Pour tout de suite mettre la pression sur Jolin So.
40 nationalités présentes sur cette 39e édition du Mondial Lacoste. Un peu moins que les années précédentes en raison de la crise sanitaire, mais ça reste une exceptionnelle performance réalisée par Claudine et Jean-Claude Knebel de pouvoir organiser ces petits as à une date atypique, hein, puisque normalement c'est fin janvier pendant la deuxième semaine de l'Australian Open. Mais il tenait véritablement à ce que ces jeunes de 14 ans, en cette année 2021, puissent disputer ces petits as. C'est la raison pour laquelle le tournoi a été organisé 30-0. En ce mois de septembre. Une édition inédite. C'est tout en finesse, hein, tout en relâchement. 40-0. Très bon entame de match, en tout cas de la part de la Russe. Ouais. Et un petit jeu blanc pour confirmer ce break réalisé d'entrée. Mais tout de suite la pression sur son adversaire, Xenita Efremova. Déjà quelques résultats dans ce tableau féminin. Se sont qualifiées pour le deuxième tour. Parmi elles, une française, Elja Enizan, qui s'est imposée face à Artina Gashi, 6-0-6-2. Manon Favier a été éliminée, tout comme la jeune Etherington, sortie par Sonia Depezova. Ileana Tiokan s'est imposée pour sa part aux dépens de l'américaine Crowder, 6-4-6-3. Et Dune Vessos s'est inclinée face à la tête de série numéro 2, Julia Stuzek, l'allemande, 6-3-6-0. Petit gabarit, mais alors il y a déjà une sacrée technique et puis il y a déjà de la puissance dans ses frappes d'Efremova. Quelle belle distribution du jeu, quelle belle petite zone trouvée au moment de placer son attaque de revers. Ouais. C'est véritablement la patronne. 0-40. On est à 9 points consécutifs déjà pour la Russe. Des petits airs de Kournikova déjà. Et le passing derrière pour jeu confirmer avec à nouveau un jeu blanc. Et surtout prendre pour la deuxième fois le service de son adversaire. Et ça fait 3-0. Double break donc en faveur de Xenita Efremova. Ça ne pouvait pas mieux débuter pour la jeune Russe. En revanche, pour la Malaisienne, il va falloir tout de suite se mettre dans le bain. Ah, puis, la petite Russe, là, elle est déjà repartie. Hein. Elle attend absolument pas le time. Ouais, il veut mettre beaucoup de rythme dans cette rencontre. Oh.
va falloir inverser cette spirale très très rapidement du côté de la Malaisienne, sinon ça peut défiler. Et psychologiquement parlant, ça peut être terrible. On en est à 11 points d'affilée, 12 points d'affilée, pardon, pour la Russe. Ouais, il n'y est pas du tout. Hein. Il n'y est pas du tout. Et puis dans l'attitude, le body language, on sent qu'elle a pris un gros coup au moral, la Malaisienne. Fin de série, après on encaisse 12 points consécutifs. Première double faute de cette rencontre. C'est mieux, ça, voilà, elle s'est bien appliquée, bien fléchie sur ses jambes pour aller chercher un centre de gravité assez bas au moment d'exécuter ce revers long de ligne. Ouais, y a un bon transfert du poids du corps. Très belle technique, hein, c'est très fluide, c'est très propre. Et le double break est confirmé pour Efremova, ça fait 4-0. Efremova mène 4-0. Elle ne laisse absolument pas respirer son adversaire. Qu'est-ce qu'elle est vive sur ses jambes, hein, c'est incroyable. Pour aller chercher cette balle en coup droit, elle fait l'effort du côté du jeu de jambes, elle est tout petit pas d'ajustement. Deux balles de 5-0. Elle a toujours, toujours couru après le score dans cette rencontre. So. Voilà, une bonne première. Il faudrait qu'elle ait deux, trois coups comme celui-ci. Ça permettrait d'aller chercher un petit peu de confiance. Il faudrait surtout qu'elle remporte son premier jeu pour que ça débloque un petit peu le compteur. Et que ça se débloque psychologiquement parlant surtout.
Oh, c'est une des toutes premières fautes là, de la part d'Efremova. Ouais, deuxième faute consécutive et première possibilité donc pour Zhou Linsu de remporter son jeu de service. Oh, c'est bien fait ça. Oh, c'est bien fait aussi. Ça prend la ligne à nouveau. Quelle jolie défense de la part de la Malaisienne et de la réussite pour conclure pour Efremova qui a bien dicté le jeu hein, sur les trois derniers points. Un joli petit coup d'œil. Hein. Ça prend la ligne en plus. Avantage Efremova. Balle de 5-0 à nouveau. La troisième balle de 5-0 en faveur de la Russe. Ça va sortir et ça fait donc 5 jeux à 0 en faveur de Xenita Efremova. Efremova mène 5 jeux à 0. Juste un petit espoir sur ce jeu de service pour Zhou Linsu. Très vite éteint par la Russe. Alors l'année dernière, c'est la Tchèque Brenda Vrovirtová qui s'était imposée et elle avait succédé au palmarès à sa sœur Linda qui avait gagné en 2019. Et les deux sœurs avaient, pour la petite histoire, remporté le tournoi de double il y a 2 ans, ici à Tarbes. Et aujourd'hui, Linda Vrovirtová, victorieuse en 2019, occupe le 6e rang mondial chez les juniors. Donc elle confirme sa belle prestation d'il y a 2 ans. Et sa plus jeune sœur est actuellement 36e mondial également chez les juniors. Donc elles sont sur une voie classique, j'ai envie de vous dire, pour intégrer ensuite le grand circuit. En tout cas, leur progression se fait normalement. Reprise. Elle est au service pour le gain de cette première manche, Xenita Efremova.
Plaza. Ça sort, elle pousse à la faute, hein. Bien campé derrière dans sa zone de confort. Ça s'équilibre un petit peu là depuis deux jeux. Ça va pas lui poser de soucis. Puis qu'est-ce qu'elle est vive, hein, sur ses jambes là. Joli petit déplacement. Et balle 40, de 7 pour Efremova. Voilà la première manche qui tombe dans l'escarcelle sans souci. Premier set rondement mené pour infliger une roue de bicyclette à son adversaire. Et Xenia Efremova qui remporte donc cette première manche. 6-0, une manche à rien. C'est fou parce qu'elle ne bénéficie même pas de ses deux minutes de repos. Elle veut mettre un rythme, elle veut imposer son tennis. C'est vraiment elle qui dicte sa loi sur ce court central. Cette année, une jauge a été imposée par les hautes autorités, par la préfecture. Une jauge de 1000 spectateurs. À cela, on peut ajouter les joueurs plus l'organisation. Donc ce central peut accueillir le jour de finale plus de 3000 personnes. Deuxième manche. Occasion de tirer une nouvelle fois un énorme coup de chapeau à Claudine et Jean-Claude Knabel et puis tous les bénévoles qui se sont mis en quatre pour que cette 39e édition puisse avoir lieu. Et quand on sait la difficulté d'organiser un événement international en sortie de vacances, c'est un véritable exploit déjà d'avoir pu faire venir tous ces jeunes. Allez, début de la deuxième manche avec la Malaisienne au service pour tenter de faire la course en tête. Oh, elle est belle celle-ci. Encore une fois, hein, le transfert du poids du corps. Et puis elle la prend au sommet du rebond. On est un petit peu là. Là, c'est sur la frappe suivante. Parfaitement équilibré. Et cette fois-ci, elle trouve une belle zone avec de la sécurité.
capital pour la Malaisienne. Puissance calmée dans ses frappes. La puissance et surtout beaucoup d'intensité. Alors ça expose de temps en temps à quelques fautes. Et bien voilà le premier jeu pour la Malaisienne. Premier jeu, deuxième manche. De réussite là sur ce retour 0, pour Sceaux. Voilà, elle a joué dans le cours du jeu, elle s'en sort bien. Parce qu'elle a joué carrément dans la raquette de son adversaire. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, encore une fois, c'est pris à court trois pieds. Il y a un vrai potentiel chez cette jeune joueuse. 45. Un partout. Un jeu partout. Il
trop long. 15-0. Quelques petites fautes, mais rien de bien méchant pour l'instant. Non, c'est raté. Puis elle anticipe très très bien aussi hein, les coups de son adversaire, Efrimova. Première fois qu'elle se retrouve en difficulté de la sorte hein, sur ce deuxième set saut. Et voilà, elle se retrouve avec ses deux balles de break contre elle. La balle de break est sauvée. Non, c'est dehors, c'est dommage. Mais en même temps, elle est obligée de tenter des choses, Yolin Su, si elle veut eh bien, prendre l'ascendant sur son adversaire du jour, Xenia Efremova, qui confirme tout le bien que l'on pensait d'elle et cette aisance, en tout cas, sur ce court de tennis. 6-0-2-1 pour l'instant. Il n'y a pas de match. Elle est largement devant. Regardez, hop. Et on est déjà reparti. Elle reste quoi ? 25 secondes sur sa chaise. Elle impose vraiment son rythme. Hein. Derrière, en même temps, Jolin Tsu, elle a raison hein, de ne pas tomber non plus dans son jeu. Et de prendre les 2 minutes qui lui sont accordées.
au service pour confirmer ce break. Non, c'est dehors. 0-15. Il retombe dans ses travers du début de match. Il va faire quelques fautes en longueur. C'est parfaitement enchaîné et puis alors, c'est magnifiquement conclu. 35. Et tout cela avec énormément d'autorité, hein, en voulant faire mal à chaque frappe de balle. L'objectif est de tuer le plus rapidement possible l'échange. Une journée placée sous le signe de la présence du DTN, Nicolas Escudé, et de la responsable des 15-18 ans, Pauline Parmentier. Tous ces jeunes joueurs, je vous disais, il y a 19 Français en lice aujourd'hui, donc il y a de quoi faire. Soixante-trois matchs hein, au total sur les 9 cours. 40-30. Ils sont attribués à ces matchs du premier tour. Il y aura quelques matchs de double également aujourd'hui. Et puis en fin de semaine, il y aura du tennis fauteuil également, comme tous les ans. C'est appliqué là sur cette volée haute de revers. Et le break est donc confirmé. 3 jeux à 1. Efremova mène 3 jeux à 1. Je ne vois pas comment la Malaisienne va pouvoir inverser la tendance. Elle n'a pas les armes aujourd'hui pour s'imposer aux dépens de Xenia Efremova. Elle est à l'intérieur du terrain. 30-15. C'est vrai que les balles aussi de la Malaisienne sont un peu courtes. Ouais.
C'est impressionnant, hein, l'intensité qu'elle met dans toutes ses frappes de balles. Il n'y a pas un échange qui est joué à moitié. Ils sont tous joués à 100%. En tout cas, on est en train de rattraper le retard pris sur le premier match, hein, qui avait duré 2h30. Parce que là, à ce rythme-là, c'est terminé dans un quart d'heure. Pas loin de la double. Hein. Allez, c'est bien fait, ça, encore une fois. Prise de vitesse à nouveau, la Malaisienne. Non, juste à l'extérieur. Avantage, saut. Explose complètement au moment de la frappe. Là. Égalité. Égalité. Balle de 4-1. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Et là, encore une fois, elle s'est bien appliquée. Elle a attendu le dernier moment pour exécuter cette frappe. Encore une fois, un coup droit. Encore une fois, un coup gagnant. Énormément de coups gagnants dans cette rencontre pour Efrimova. Double break, 6-0, 4-1. La victoire ne va plus lui échapper à cette jeune joueuse russe. Sur le papier, à la lecture du tableau, n'était pas favorite. Hein. Elle n'est pas tête de série. Elle bénéficie d'une wildcard hein, d'ailleurs pour disputer ses petits as mondial Lacoste. Et ce sera pour jouer ensuite donc l'Allemande Etchmanek qui s'est imposée tout à l'heure aux dépens de Manon Favier, la Française, 6-3, 6-0. Reprise.
Ah, les 13 points qu'elle a encaissés consécutivement en tout début de match lui ont fait très très mal au moral hein, à John Linsu. Petit ace qui fait du bien, ça doit être d'ailleurs son premier ace à Efremova. Bien retourné de manière bombée. Partie du team Mouratoglou, hein, Xenia Efremova. N'a jamais été mise en difficulté hein, sur ses mises en jeu. Aucune balle de break de sauver pour l'instant. Il manque un petit peu de longueur là, sur ses frappes. Voilà, elle retrouve un petit peu de longueur. C'est un peu plus bombé. Voilà, en revanche un peu trop long. Et bien voilà la première balle de break en faveur de la Malaisienne. Premier petit passage à vide pour Xenia Efremova. Ça, oh là là, l'intensité qu'elle a mis, on l'entend hein, à chaque frappe de balle, l'intensité qu'elle peut mettre dans ses coups. Elle n'a pas joué petit brin hein, pour aller sauver cette première balle de break contre elle. Voilà, pour la première fois du match, Sow qui va chercher le jeu de service d'Xenia Efremova. Petit espoir, petite lueur d'espoir pour revenir à deux jeux à quatre. Après, on sait que chez les jeunes, ça peut vite tourner. En revanche, si Efremova continue d'avoir le niveau de jeu qui était le sien pendant ses trois premiers quarts d'heure, ça ne devrait pas lui échapper. Mais après... On a vu énormément de retournements de situation. Bien fait ça pour la repousser loin, les deux d'ailleurs, ça joue bombé pour repousser les deux le plus loin possible derrière la ligne de fond.
Ouais, c'est le premier véritable rallye. Elle craque sur ce rallye alors qu'elle avait repris le contrôle un petit peu de l'échange en se réinstallant sur sa ligne de fond, retournant dans sa ligne de confort, sa zone de confort. Allez, Ben. Elle est très très belle cette balle. Ça prend la ligne avec un angle qui est imparable. Il y a un peu de mieux là dans le jeu de la Malaisienne. C'est une des rares grosses frappes qu'on a pu voir depuis le début de la rencontre. Avec notamment cette première balle de service qui est passée à 154 km/h. Derrière la ligne de fond. De manière normale, sur une balle comme ça, on serait monté au filet, mais c'est vrai qu'elle est tout petit gabarit. Le lob est assez facile à exécuter sur ce style de joueuse. Elle préférait retourner sur sa ligne de fond, bien lui en a pris parce qu'elle obtient une balle de 5-2. Avec la possibilité d'aller chercher pour la sixième fois de ce match. Le service de la Malaisienne. Ouais, c'est parfait. Le coup, il est venu juste avant, hein, sur l'accélération long de ligne. Où elle s'est ouvert tout le terrain pour jouer ensuite dans l'ouverture, hein, cas d'école. Accélération ici, derrière, le terrain est grand ouvert, une balle dans le carré de service pour sauver cette balle de 5-2.
Efremova mène 5 jeux à 2. Allez, il est au service désormais pour le gain du match. Xenia Efremova, qui n'a pas laissé bien longtemps s'installer la confiance hein, dans l'esprit de la Malaisienne. Des breaks et derrière, boum, on va rechercher à nouveau le service en retard. Et ça fait 5-2. Et quand je dis service en retard, le service qu'elle avait concédé, parce qu'elle avait déjà un break de secours. Reprise. Deux points du match. Pot. Tout petit peu trop long cette première. C'est sa deuxième double faute de la partie. On va mettre ça sur l'appréhension de la victoire qui se profile. Oui, en regardant son visage, on n'a pas le sentiment qu'elle soit plus tendue que cela. Après, tout se passe dans la tête. Et bien voilà, deux doubles fautes consécutives. À l'approche de la victoire, on se crispe un peu. La raquette est un tout petit peu plus lourde. Tout comme le bras. Avec sur le court numéro 1, la défaite de Lenny Couturier, le français sorti par un italien, tête de série numéro 12, Vasami, de 6-6-2, 6-0. 19 français en lice aujourd'hui. Hein. Voilà, ça sort et bat le match. 40-30. Une toute petite première hein, pour assurer. Qu'est-ce qui va ouvrir la première? Voilà, c'est Efremova qui ouvre en premier. Et elle craque la première. C'est pas la première fois hein, sur un rallye. C'est elle qui craque en premier. Balle de match écartée.
Oh, elle est belle celle-là. Ouais. Bien accélérée. Ouais, parfaitement accélérée pour complètement déborder son adversaire. Allez, balle de débreak. Jolie celle-ci, encore une fois, le transfert du poids du corps. Elle n'est pas haute, hein. Elle la prend vraiment au sommet du rebond. Sommet du rebond, c'est au niveau de son visage, hein. C'est même plus à hauteur d'épaule. Elle s'est arrêtée de jouer. Avantage, Jeffrey Mova. Balle de match à nouveau, la deuxième. Dommage parce qu'elle s'est arrêtée de jouer, elle avait vu faute. Ouais, c'est sur une ultime faute directe de Yann Linso, que Xenia Efremova va chercher donc cette victoire en 2-7 sans aucune difficulté. 1h05 de jeu pour décrocher son billet pour le deuxième tour. 6-0, 6-2. Elle promet énormément, cette jeune joueuse du team Mouratoglou. Restera juste à confirmer sur les tours suivants et puis peut-être à moins se crisper pour aller chercher la victoire. En tout cas, c'est une victoire convaincante d'Efremova qu'on retrouve.